i <music> Bonjour. Eh bien, la Chine, c'est un sujet très important pour l'avenir du monde, ça, tout le monde l'a compris. On se pose beaucoup de questions, mais sincèrement, dans les médias français, belges et européens en général, il n'y a pas beaucoup de vraies infos, il y a beaucoup de propagande, tout ce que fait la Chine, c'est toujours mal. Euh, donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir un vrai connaisseur à qui vous allez pouvoir poser vos questions, je vous le rappelle. Frank Willems est, je crois, une des personnes qui, en Belgique ou en France aussi, connaît le mieux euh, la Chine. Il s'y intéresse depuis les années 60. Il a commencé à visiter régulièrement la Chine depuis 1984. Il y est beaucoup maintenant. Il a été euh, professeur pendant deux ans. Il a présidé l'association Belgique-Chine, une association d'amitié et d'échange de euh, 1992 à 2002. Il est aussi parmi les fondateurs d'un site qui s'appelle chinasquare.be, malheureusement seulement en néerlandais pour nos amis belges bilingues, mais on verra si c'est intéressant de pouvoir le rendre accessible à des francophones aussi. Et donc, Franck, bonjour, merci d'être venu. Bonjour. Et la première question, c'est comment ça se fait que la Chine arrive à des taux de croissance là qui font pas lire de jalousie tous les économistes du monde entier depuis des années, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que les communistes ne comprennent rien à l'économie, qu'ils font tout de travers et ils ont des bien meilleurs chiffres que les économies du monde occidental. Comment ça se fait Comment ça se fait euh, À mon avis, il y a deux deux facteurs euh, essentiels. Euh, le premier facteur, c'est l'État chinois, et le deuxième, c'est le Parti communiste chinois. Hmm? Euh, la Chine officiellement est une économie euh, de marché socialiste. Mmh. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que au niveau entreprise, au niveau microéconomique, il y a le marché qui joue. Mmh. Mais au niveau macro le marché est libre. La concurrence entre des patrons le marché le marché pas toujours libre parce que là je viens au niveau macroéconomique et au niveau à ce niveau là l'état contrôle tout. Mmh. c'est l'état chinois qui contrôle la hauteur des investissements, qui contrôle le rapport investissement consommation, mmh. euh, qui décide quels sont les grands domaines d'investissement, quelle infrastructure, quelle mmh. industrie, etc., etc. donc, à ce niveau macroéconomique, il y a une planification euh, très consciencieuse les, les chinois... Donc vous êtes en train de nous dire que le succès, c'est grâce à la planification, tandis qu'ici en Europe, on nous a toujours dit, le plan, c'est très mauvais, il faut laisser le marché et euh, les entreprises faire ce qu'elles veulent. La planification macroéconomique, c'est ça le premier secret. Le deuxième, c'est que l'État chinois est entre les mains du Parti communiste. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils font cette planification en fonction des besoins des gens, mm -hmm. du peuple, et pas en fonction des, des grandes entreprises, des multinationales. Parce que la planification, il y en a chez nous aussi, mais elle sert à qui mm -hmm. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ils planifient en fonction de, de la vie, du bien-être de la population chinoise. Par Donc exemple, il y a un contrôle sur le profit, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, il n'y a pas de contrôle strict sur le profit. Mm -hmm. euh, mais euh, par des, des leviers macroéconomiques, ils parviennent quand même à contrôler le niveau général de profit. Et surtout, euh, il faut savoir que les le salaires mm -hmm. en Chine sont en grande partie déterminées par l'État. C'est l'État mmh. qui, d'année en année, fixe le salaire minimal que les gens doivent payer. C'est l'État qui gère euh, la sécurité sociale. Donc, par ces levier là euh, l'État décide que euh, les ouvriers, les travailleurs doivent nécessairement progresser chaque année. Et les salaires ont augmenté. On dit toujours que la Chine a sorti... 700 millions de gens de la pauvreté, c'est juste Bah ben, oui, c'est juste. Il y en a même plus. Hein. Euh, le but c'est qu'en 2020, fin fin de l'année prochaine, donc il n'y aura plus de pauvreté en Chine. Alors les salaires en moyenne augmentent de 10% par an, mm -hmm. alors qu'il y a une inflation de l'ordre de 2-3%. Donc euh, les salaires réels augmentent. Et, et ça c'est l'État dirigé par le parti qui décide. Donc, il y a des leviers macroéconomiques qui font qu'ils peuvent se permettre euh, à marcher au niveau microéconomique. Les salaires augmentent en Chine, tandis que chez nous, si on regarde bien, ils sont plutôt à la baisse pour toute une série de, de raisons. Et c'est ça qui permet de développer la consommation et de développer l'économie C'est ça. Effectivement, pendant euh, une certaine période... Euh, la Chine euh, s'est orientée beaucoup vers l'exportation vers les pays développés. Mmh. Depuis 2008, ils ont euh, changé le fusil d'épaule et maintenant, ils visent beaucoup plus la consommation euh, domestique intérieure. On disait beaucoup, la Chine, c'est l'atelier du monde, mais les gens sont un peu comme des esclaves là-bas. Euh, c'est une économie euh, de bas niveau. Euh... Et comment ça se situe pour un observateur qui a vécu ça de près Il y a une vision chez les Chinois. Il y avait des étapes dans ce développement. Ou... Oui, oui, il y a des étapes. Dans les années 90, ce que tu dis était probablement probablement vrai. Mmh. La Chine était pauvre, sous-développée. Il fallait la développer à tout prix. Et donc, ils ont accepté d'être l'usine du monde, d'avoir des travailleurs mal payés, etc. etc. À partir de, euh, du 21e siècle, ça a commencé à changer. Et surtout après 2008, ils ont dit, voilà, euh, nous devons augmenter la consommation euh, intérieure, domestique, donc augmenter beaucoup plus vite le niveau de vie des gens. Mmh. Et euh, notre euh, industrie... Ne doit plus être une industrie basée sur la main-d'œuvre bon marché, euh, des produits euh, qui demandent beaucoup de main-d'œuvre. Nous devons avoir euh, une production, une industrie orientée vers la haute technologie. Il faut rappeler pour les jeunes que la Chine part d'un niveau très très bas. On dit qu'en 1950, la Chine était au même niveau que l'Afrique ou que l'Inde, voire encore plus bas, à cause du fait que cette une économie qui avait été pillée par les puissances occidentales, européennes, etc. Et que donc, on est parti de très, très bas. Et donc, l'idée, c'est que pour qu'il y ait ce rattrapage ou ce développement, il faut passer par des phases et faire des concessions. C'est ça. Ben justement, on était à 40 dollars par tête en, en 1949. Euh, au moment de le, du décès de Mao Tse-tung, on était à 200 dollars. Oui, parce qu'on Et qu puis, dit, on... en 2000, on hmm. était... À 900 dollars. On dit beaucoup justement, euh, là, puisque vous parlez de Mao, euh, on dit beaucoup que l'économie, elle va bien maintenant grâce à Xiaoping, mais que sous Mao, l'économie était mauvaise. Disons que Mao a jeté les bases de l'industrialisation. Mm -hmm. Et puis, il a aussi. Euh, euh, les bases, euh, il faut dire pour ceux qui connaissent pas que c'était oui. un pays totalement paysan. Oui, il n'y avait rien 95% de, plus, de paysans. Très peu donc, euh, infrastructure, euh, industrialisation de base. Et puis, il y a eu de, de, un progrès social phénoménal. Mm. L'éducation, les soins médicaux, euh, la libération des femmes, etc. Donc, ça, c'est le, le mérite de Mao Zedong. Maintenant, il faut dire que au moment du décès de Mao... On, on était plus ou moins sur une voie sans issue parce que euh, la croissance économique euh, ralentissait. Euh, on donnait la priorité à la lutte de classe à outrance, mm -hmm. et c'est ça que Deng Xiaoping a changé. Il a dit euh, la lutte de classe c'est pas euh, la première priorité, la croissance économique est la première priorité. Donc il y a une, une césure là entre Mao et Deng, et on voit que le développement économique euh, s'accélère à partir de là. Donc, je disais 200 dollars par tête mmh. à la mort de Mao. En 2000, on était déjà à 800, 900. Et aujourd'hui, on est quelque part à 9000 dollars. Donc, en moins de 20 ans, de 800 à 900 à 9000, vous voyez le progrès. C'est un progrès formidable, mais on va dire aussi que euh, ces 9000, c'est une moyenne et que donc, il y a des gens riches, voire très riches, et des gens qui sont bien en dessous. Comment ils abordent ce problème des inégalités euh, L'inégalité en Chine, elle se situe euh, surtout euh, entre euh, la campagne et les villes. Mm -hmm. Parce que là, euh, quand on regarde le revenu par tête, il euh, y a un facteur de 1 sur 3 à peu près. Mm -hmm. Donc les citadins sont beaucoup plus riches euh, que les gens qui vivent à la campagne. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait on essaie d'investir dans l'infrastructure à la campagne, euh, les routes, la télécommunication, euh, les soins médicaux, l'éducation, etc. Et dans l'industrialisation rurale. En même temps, chaque année, il y a 1% de la population qui déménage de la campagne vers les villes. Oui. Entre 10 et 15 millions de personnes chaque année. Mmh vont vivre en ville. Ça veut dire que, alors qu'on était à 95% de campagne en 1949, maintenant on est à 40% de gens à la campagne, 60% en ville. On veut aller à 80-85%. Donc de, ça reste de, de quand citoyen. même encore un pays agricole et il faut rappeler qu'il y a beaucoup de régions qui étaient vraiment très, très arriérées parce qu'il y avait des industries à Shanghai et tout ça, et à Canton oui. et dans le sud, sur la côte oui. en général, des industries que les capitalistes voulaient les les industries sur la côte parce que c'était pour eux, pour exporter. Mmh. Et il y a des régions encore qui subissent le poids du passé et de la pauvreté. Il reste 10 millions de pauvres à la campagne. Mmh. Fin de l'année prochaine, euh, la pauvreté doit être éradiquée. Euh, ça va être très difficile parce que les derniers pauvres à la campagne vivent dans des régions très reculées où il n'y a quasiment pas de moyens pour gagner sa vie. Donc, euh, on a déjà déplacé des millions de gens hein, mmh. dont on a dit, là où vous vivez, là où vous vivez ben, on ne voit pas comment vous allez pouvoir vous enrichir, il vaut mieux déménager. Okay. Mais donc, on, on y travaille et c'est ça l'écart euh, le, le plus important, la campagne et la ville. Et ça va demander encore des dizaines d'années pour vraiment absorber cet écart. Il n'y a pas de, de remède miracle là. Mmh. Euh, OK, voilà qui donne, je crois, une idée déjà importante sur les phases de développement, sur le fait qu'il y a une stratégie, que c'est une économie dirigée. Il y a quelque chose qu'on dit souvent en Occident, oui, mais maintenant, tout est devenu capitaliste. Est-ce qu'il reste un secteur public et est-ce qu'il est important le, le secteur public, il représente à peu près 40% des actifs. Ah oui, ça, on ne dit jamais. Oui, et, et c'est les 40% les plus importants. Toutes les industries stratégiques sont toujours entre les mains de l'État. Stratégiques, c'est-à-dire quel secteur Télécommunications, euh, défense, euh, transport, mm -hmm. ces choses-là, euh, centrales électriques, énergie. Euh, une grande partie de, des industries de base comme l'acier, l'aluminium, mmh. en 40. partie. Donc, à peu près 40%. Ce qui, aussi, les importations, exportations, il reste des entreprises d'État, euh, le commerce en gros. Oui, c'est-à-dire que le commerce extérieur, c'est un monopole d'État Ce n'est pas un monopole d'État, pas du tout. Mais il reste suffisamment d'entreprises d'État pour pouvoir influencer ce marché mmh. là où il faut. Par exemple, maintenant, il y a la peste porcine. Euh, le, il y a pénurie de viande de le, porc, les prix montent, eh bien, on voit qu'à ce moment-là, euh, les entreprises euh, du commerce en gros euh, de l'État commencent à vendre leur stock de viande pour euh, les prix. garder les prix sous contrôle. Donc, c'est à ce niveau-là, il n'y a plus de monopole d'État, sauf pour certains euh, secteurs limités. Mais euh, l'État garde suffisamment euh, de parts dans tous les secteurs stratégiques pour pouvoir les contrôler au moment où il faut. Mmh. Euh, stratégique, c'est aussi les finances, les banques. Oui. Ils sont en très grande partie euh, banques d'État. Les finances, c'est quand même un, un secteur qui a un très grand poids et qui peut parfois bloquer le développement de l'industrie, notamment dans des régions pauvres. Donc contrôler les finances, c'est une, une expression de cette volonté de contrôler l'économie pour un intérêt collectif Bah oui, hein, les finances, c'est la clé de tout. Hein. C'est mmh. les, les grandes banques qui décident qui va recevoir des crédits pour investir. Donc là, indirectement, ils contrôlent les, les capitalistes privés. Mmh pas complètement parce que les, les, les entreprises ont d'autres moyens de, pour chercher des, des fonds. Ils peuvent aller à la bourse. Enfin, ils ne dépendent mmh. pas uniquement des banques, mais n'empêche que ces banques d'État restent un levier important pour contrôler euh, les courants d'investissement, où ils vont, combien, etc. etc. OK. Je crois qu'on commence mieux à comprendre le fonctionnement. Je vais regarder si vous avez posé des questions ou euh, des remarques ou des critiques par rapport à ce qui a déjà été dit. Euh, beaucoup de remerciements, merci. Euh, Est-il vrai que certains milliards chinois s'installent à Hong Kong pour échapper à l'État ah, ah, Bonne question. Euh, C'est vrai que euh, certains investisseurs chinois ils passent par Hong Kong pour investir en Chine parce mm -hmm. que euh, ça leur donne des avantages au niveau euh, fiscal. Mm -hmm. Et ça passe tant que l'État chinois le tolère. Mm -hmm. Voilà. Euh, au moment où ils disent maintenant ça va trop loin, ils arrêtent, c'est fini. Euh, mais bon, on le tolère parce qu'ils pensent que ces investissements euh, sont positifs pour le Et pays. Le Parti communiste a... Euh, était relativement souple avec le fait qu'il faut rappeler que les colonialistes avaient installé euh, des, euh, des ports et des zones sous leur contrôle. Il y avait Hong Kong, il y avait Macao, euh, etc. Oui. Euh, et que ces zones-là, euh, les Britanniques, les Portugais ont, ont essayé de les garder le plus longtemps possible. Ils ont dû quand même les rendre à la Chine. Mais il y a un système un peu double. Ils ont le droit d'avoir euh, plus de capitalisme et une certaine autonomie pour certaines choses. On voit d'ailleurs beaucoup que les États-Unis essayent maintenant de créer des problèmes à Hong Kong. Mmh. Et donc, il faut... La Chine a utilisé, si je comprends bien, les, les opportunités commerciales et financières qu'il y avait là pour que tout ça serve au développement du pays. Effectivement, hein, oui. J'ajoute encore sur la, la question là que oui. euh, quand il s'agit d'investissement en Chine, ça passe assez facilement. Par contre... Euh, S'il y a des gens qui veulent exporter leur argent mm -hmm. euh, pour le cacher pour l'État chinois, ben ça c'est beaucoup moins facile. Hein. Donc, euh, disons euh, échanger okay. la monnaie chinoise en dollars, okay. c'est possible uniquement dans certains buts dont l'État juge euh, qu'elles soient euh, qui sont euh, positifs. Maintenant, euh, la question de Hong Kong. Euh, Hong Kong est important pour la Chine dans ce sens que, étant une ancienne colonie euh, britannique, ils ont gardé leur statut douanier mmh. et ils ont gardé leur propre monnaie. Et ça fait que euh, c'est une zone qui, économiquement parlant, est indépendante de la Chine, alors que, politiquement parlant, elle fait partie de la Chine. Mmh. Et ça offre des avantages aux entreprises chinoises au niveau douane, au niveau euh, financier, euh, de profiter du statut économique de Hong Kong, alors que Hong Kong est, est en fait une oui, partie oui. de la Chine et, et politiquement contrôlée par la Chine. Donc, c'est un atout de Hong Kong mm -hmm. qui, est, qui est irremplaçable, parce qu'en même temps, c'est offshore et onshore. Oui, oui, je comprends on comprend oui. bien. C'est un, euh, un petit stratagème. Oui. Et c'est ça le grand atout de Hong Kong pour, pour la République populaire et c'est ça qu'ils ne vont pas vouloir euh, hmm. perdre. OK. On a parlé des finances et on a là une question un peu curieuse de Philippe qui nous dit que, euh, comme nous le savons, mais vous ne donnez pas votre source, la banque centrale chinoise appartient à la famille Rothschild, donc à un membre de la caste occidentale. Euh, je sais que ça se dit, mais c'est sérieux. Euh, la banque centrale chinoise, c'est une banque centrale. Elle appartient euh, à l'État. À l'État. Oui. Euh, maintenant, il y a certaines banques chinoises, des banques d'État, euh, qui sont cotées en bourse. Il y en a, et donc il y a des minorités euh, privées là-dedans. Mais le contrôle de toutes les grandes banques en Chine est bel et bien entre mmh. les mains. Euh, de l'état. d'accord. philippe, oui. merci pour votre question. mais je voudrais quand même vous mettre en garde sur internet. il y a beaucoup de choses qui euh, circulent et un peu complotistes, il faut bien le dire. Euh, il faut vérifier. il faut donner ses sources. je rappelle à tout le monde que vous pouvez nous envoyer euh, par notre site des questions de ce genre et on vous dira si c'est sérieux ou non. il y a malheureusement beaucoup de fantasmes qui circulent que soi-disant les rothschild et les banquiers et les Rockefeller aussi, tout ça aurait contrôlé la Russie soviétique, la Chine, etc. Il faut faire très attention à qui répond à ce genre de, de choses-là. Euh, on, on a parlé du rôle du parti communiste dans la direction de l'économie, et donc on a compris là que c'est encore toujours lui qui hein, décide les, les grandes choses et la grande stratégie. Il fait ça comment concrètement Comment ça se passe euh, Comment ça se passe euh, bah, il faut dire que euh, dans le Parlement chinois et dans le gouvernement chinois, la grande majorité des membres sont membres du, du Parti mm -hmm. communiste. Donc ils ont en, les leviers du pouvoir, ils les ont en main et c'est marqué dans la Constitution chinoise que la Chine est dirigée par mm -hmm. le Parti euh, communiste. Mais concrètement, chinois. le Parti communiste, il fait comment pour... Étudier la situation et pour prendre ces décisions. Tu as dit là que ils ont décidé maintenant on passe à une autre phase, maintenant on va supprimer la pauvreté. Ils font ça comment Ils consultent ils, en, ils, en, ils enquêtent sur les problèmes de terrain Effectivement, ils consultent et ils enquêtent euh, déjà dans les années 90, mais surtout depuis le début du siècle. Ils se sont rendus compte qu'un parti ne peut pas dépendre du génie d'un dirigeant mm -hmm. euh, comme un Mao tse qu'il faut du travail collectif, qu'il faut savoir que ce que les gens pensent, ce que les gens veulent, et donc il faut consulter la population, euh, il faut discuter de la stratégie, et cela, ça se fait. Et euh, on voit que les dirigeants euh, du Parti communiste attachent beaucoup d'importance à, à cet aspect-là. Parce qu'on nous dit que c'est une dictature. Moi, je vois une chose c'est qu'il y a des sondages, ça s'appelle le GINI, je pense, qui analysent oui. euh, dans quel pourcentage les gens se sentent heureux dans leur pays et sont optimistes que oui. l'avenir sera bon pour leurs enfants. Et j'ai l'impression que. C'est dirigé par le Parti communiste, mais la grande majorité des Chinois sont assez contents de la gestion. Effectivement, on fait des enquêtes près de la population pour savoir ce qu'ils pensent de n'importe quel problème. Il y a beaucoup d'enquêtes. Les projets de loi sont soumis aux commentaires de la population, donc on les met sur Internet avant d'en discuter dans le Parlement. Euh, disons que cet aspect euh, d'impliquer la population mmh. dans, dans les prises de décision, etc., on essaye de, de le perfectionner. Et il y a des décisions qui sont annulées ou modifiées quand euh, les gens s'opposent. À... Euh, ça arrive, oui, 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 quand mmh. on se rend compte que les gens, euh, quand il y a une résistance passive ou, ou même active, on, on change. Maintenant, il faut se dire que... Euh, la plupart des décisions, euh, de, de, des discussions se font au sein des ministères, au sein des comités euh, spécialisés, au sein du comité central. C'est là qu'on discute sur les grandes orientations. Et c'est des discussions euh, contradictoires. Mmh. Le temps où chacun devait penser dans la, dans, dans la même direction, là, euh, ils ont compris depuis longtemps que ça ne fonctionne pas. Mmh. Et donc, euh, il y a discussion, débat contradictoire avant d'arriver à une conclusion. Et on, ça fait quelques, quelques dizaines d'années déjà qu'on essaye de perfectionner ce système-là. Ce n'est pas évident euh, puisqu'on est toujours avec le même parti au pouvoir. Mmh. Il faut faire attention pour que ça fonctionne. Et la semaine passée, il y a eu euh, la réunion du comité central, hein, la réunion plénière. Et ils ont encore une fois dit que euh, le pouvoir de gestion de l'État et le pouvoir de gestion du parti euh, doit être amélioré, que les cadres du parti de l'État euh, doivent être mieux qualifiés, etc. Donc c'est un souci permanent euh, d'améliorer, qualifier leur formation, plus compétence. au niveau formation donc euh, compétences professionnelles et aussi idéologique. Mmh. Parce il n'y a que, pas bon, un danger avec un... cet enrichissement, avec la possibilité de corruption, il n'y a pas un danger justement que ça prenne une autre voie Effectivement, et ce danger-là, ils l'ont négligé pendant une certaine période parce que le but, c'était la croissance à tout prix. Donc, mm -hmm. ils ont dit la, la corruption, on, on s'y attaquera plus tard. Maintenant, depuis euh, 2012, donc l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping. Euh, la corruption, la, la lutte contre la corruption est devenue une, une première priorité. Un peu un rétablissement de l'idéal de Mao, qu'il fallait justement euh, bah, le plus il faut... possible d'égalité. Mais... Ce n'est pas tellement l'égalité, c'est plutôt l'idée que les membres du parti doivent servir le peuple mmh. et, et pas se servir eux-mêmes. Et donc, on mène une campagne au niveau répression, au niveau législatif. On définit Une répression des peu. cas de corruption. Euh, oui. Les Mais, sanctions sont sévères. De temps en temps, on entend des choses. Euh, oui, oui. Ils sont sévères. Euh, théoriquement, on peut être euh, exécuté dans des cas de cor corruption grave. Mmh. En réalité, ça arrive euh, très peu. Il y a euh, le directeur de l'agence de la sécurité alimentaire qui a été exécuté, c'est le seul à ma connaissance. Mais donc euh, la législation euh, euh, s'améliore, euh, on définit mieux ce, que est, ce qui est permis, mmh. ce qui n'est pas permis, et les organes de contrôle sont euh, améliorés, et le niveau idéologique des cadres du parti aussi, on essaye de l'augmenter. Euh, donc c'est une campagne... Restez fidèle à une Morale révolutionnaire. Morale révolutionnaire, mmh. servir le peuple. Donc c'est tous azimuts qu'on essaie de, de contenir ce phénomène de corruption. Mmh. Euh, OK, donc voilà. on voit quand même qu'il y a des différences intéressantes par rapport à ce qui se passe chez nous. Il y a des grandes différences aussi avec ce que nous disent les médias. Bon, quand même, ce développement économique très très rapide a quand même amené des problèmes écologiques sérieux. Il paraît qu'il ne faisait pas très bon respirer à Pékin à un moment donné. Euh, qu'est-ce qu'il en est de l'écologie et qu'est-ce qu'on fait Mais disons que dans les années 90, on ne parlait que de développement économique et on, on s'en foutait. Depuis le 21e siècle, le début du siècle, on a commencé à se rendre compte que il fallait prendre des mesures qu'on ne pouvait plus attendre euh, parce que la situation devenait grave. Et, et donc, euh, tout l'aspect écologique, euh, d'année en année, il est devenu de plus en plus prioritaire. Et maintenant, c'est une des grandes priorités de, de la gestion de, de la Chine, donc mmh. euh, la protection de l'environnement, euh, le nettoyage de, de toute la pollution, etc. Euh, maintenant, bon, on a beaucoup parlé de Pékin, euh, la qualité de l'air à Pékin. C'est parce qu'à Pékin, on, on mesurait la qualité de l'air, parce que Pékin n'a jamais été parmi les 50 villes les plus polluées du monde. Hein, mm -hmm. Pour les autres, on s'en foutait, mais pour Pékin, on mm -hmm. s'en occupait. Mais bon, bon, donc là, on fait des efforts énormes. Euh, on ferme les usines, euh, on construit de nouvelles usines propres euh, en dehors des villes. Euh, les véhicules, les véhicules, les normes pour les pour les automobiles sont les plus sévères au monde maintenant. Et la Chine. Mais c'est quand même, je m'excuse, mais c'est quand même là quelque chose qui m'a fait un peu tiquer personnellement parce que ici en Europe, beaucoup de gens euh, prennent conscience que il va falloir vivre autrement si on veut polluer moins. Euh, nos dirigeants politiques et économiques disent qu'ils sont bien d'accord, mais ils font rien du tout et la pollution s'aggrave. Quand même, tout à la bagnole, c'est un problème. Il faudrait beaucoup plus de transports en commun et euh, n'employer les voitures que quand il y a vraiment, euh, vraiment besoin. Le, le, les grandes villes chinoises investissent énormément dans les transports en commun. Mm -hmm. Énormément, mais c'est des villes de 10 millions, 20 millions d'habitants. Euh, on peut investir tant qu'on veut. Ben, le, le nombre de voitures augmente quand même. Maintenant, il faut se dire... Euh, la Chine ne vit pas sur une île isolée. La, la Chine fait partie du monde. Les Chinois voient les Européens, les Américains avec leurs bagnols et ils se disent nous aussi, on veut cette bagnole. Mmh. Alors, quel est le gouvernement qui peut dire à ses citoyens ben, vous n'avez pas droit à une bagnole ils ne savent pas le faire. Par la répression, non, mais il faudra quand même un travail euh, de formation euh, et, et d'éducation. Ils essayent de les convaincre, ils essayent de rendre les transports en public euh, euh, plus confortables. Mmh. Euh, okay. Ils font les normes plus sévères, etc. etc. mais interdire aux gens d'avoir une bagnole, ben, c'est la fin du socialisme, hein. c'est la révolution. <laughs> oui, oui d'accord, je, je comprends bien. Euh, je note des questions, il y en a une ou deux que j'ai notées, on va y venir. Euh, les, la Chine invite à produire chez elle, euh, il, surtout s'il s'agit d'une production à haute valeur technique. Oui. Ensuite, ils copient selon les mêmes procédures, mais n'obtiennent pas des produits de la même qualité qu'en Europe. Mais la Chine n'en a, a que faire car sa masse population produit en soi un marché suffisant pour... Évoquer la production. Donc voilà, une critique sur la qualité des produits. Oui. Ben, la Chine, elle a copié, comme, comme tous les pays industrialisés à mm. un moment donné ont copié. Euh, le Japon euh, a fait ouais, ça. De, près de Corée. chez nous, là, à Gand, la statue de Boven, ce qui est allé euh, voler la technologie du tissage euh, machinal en Grande-Bretagne, qui a risqué la ouais. peine de mort pour le faire. Ah, Il oui. a sa, sa statue. En plein centre de Gand, donc tout le, tout le monde a copié. Maintenant, il faut dire que c'est la phase précédente. La Chine n'en est plus au copiage. Ils mm. en sont au développement de technologies propres. Et c'est ça, au fond, c'est ça qui rend euh, la bourgeoisie américaine et européenne euh, qui, 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 qui les fait peur. Voilà une excellente transition à ma question. Oui. Euh, on a euh, Trump. Mais Obama aussi avait dit que sa plus grande préoccupation, c'était la Chine. Il a dit qu'il fallait déplacer les troupes de l'Europe et du Moyen-Orient pour encercler la Chine. Les États-Unis, ils ne sont pas contents d'avoir la Chine, qui est un bon partenaire économique et qui peut leur vendre beaucoup Il y a des entreprises américaines qui sont contents, mais disons, les dirigeants américains, euh, les dirigeants clairvoyants, ils comprennent que euh, la Chine d'ici 10 ans, 15 ans maximum, euh, va dépasser les États-Unis. Euh, ça va être le numéro un mondial au niveau économique. Euh, Donc Trump est intelligent euh, et clairvoyant. Il, il voit le problème. Ben, je ne vais pas me prononcer sur Trump, mais sa politique euh, n'est pas une rupture non. après Obama. Il mmh. continue d'une façon un peu plus brutale. Euh, il faut se dire que dans son équipe, il y a des, des fameux adversaires de la Chine, notamment Navarro, qui dit nous sommes en guerre avec la Chine. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est Trump qui décide de, de ce qui se passe avec la Chine. Il faut se dire aussi que c'est le seul thème sur lequel euh, les démocrates appuient à 100% Trump. Oui, la Chine. Hein? Au Mais contraire, il le il 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 est... critique parce qu'il est trop mou avec la Chine. Oui, Hillary Clinton, on avait vu ça, était encore oui. beaucoup plus agressive. Et, oui. euh, Très, très militarisé. Oui. Donc il y a la concurrence économique, mais il y, a, il y a plus. Depuis 2008, il y a la crise. Bon, il y a une crise morale, il y a une crise de la démocratie en Occident. Et euh, la bourgeoisie se rend compte que euh, les Chinois, contrairement à ce qu'ils passaient, ne vont pas s'occidentaliser, ne vont pas passer à une démocratie libérale, mais vont continuer à développer leur propre système mmh. socialiste. Et que ce développement, quand il continue, ben, ça va être dangereux parce qu'il y a des, 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 des pays et des peuples, surtout dans le tiers-monde, qui, qui vont se dire, tiens, est-ce que ça peut nous servir d'inspiration euh, les préoccupations des de, de bourgeoisies occidentales, c'est d'une mm -hmm. part économique, mais d'autre part idéologique aussi. C'est ce que l'Europe a dit. Dans, dans... L'Europe a publié euh, sa stratégie chinoise au mois d'avril cette année. Et il commence par dire euh, que la Chine est devenue un concurrent systémique. Mm -hmm. Systémique. Donc pas uniquement. Un euh, autre modèle de société. Un autre modèle de développement économique et politique. Mm -hmm. C'est ça ce qu'ils disent. Donc, ils se rendent compte que ça devient dangereux pour eux, que la Chine peut changer le monde, même si la Chine dit, nous ne voulons pas changer le monde, nous, nous changeons la Chine, ça nous suffit. Mmh. Mais par leur exemple, ils vont changer le monde. Et elle change quand même déjà beaucoup et, et donc, le rapport de force, parce que quand on voit l'Afrique ou euh, l'Asie, bien entendu. Euh, avant, quand Washington ou Londres ou Paris venaient dans un pays, ils disaient c'est comme ça, vous n'aurez les prêts de la Banque mondiale et du FMI que si vous passez par nos conditions. Souvent, les Occidentaux disaient qui devait diriger ou essayer de renverser ouais. le pouvoir quand il était trop résistant. Et là, déjà, les Chinois ont changé ce, ce rapport de force. Effectivement, euh, maintenant, euh, pour les pays en voie de développement, il y a une alternative. Mm -hmm. euh, oui, donc euh, c'est très important et, et, et ça explique l'acharnement avec laquelle euh, les Américains et les, certains Européens aussi attaquent alors, la Chine pour. Alors l'Europe justement, est-ce qu'ils sont tous d'accord d'être aussi agressifs sur la Chine ou est-ce qu'il y a une séparation euh, On n'a pas encore parlé aujourd'hui, mais évidemment c'est fondamental. Les routes de la soie, ce sont des routes maritimes et terrestres par laquelle les Chinois veulent faire du commerce avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient, mais beaucoup avec l'Europe. Les États-Unis ne voient pas ça d'un bon oeil, parce que les routes de la soie, ce n'est pas pour eux. Mm -hmm. Donc, ils ont peur que l'Europe leur échapperait, que l'Europe ferait un peu plus une alliance économique, au moins avec la Russie et la Chine. Est-ce que c'est ça le grand bouleversement euh, des 20-30 dernières années Est-ce que c'est ça aussi un danger pour la paix mondiale euh, L'Europe, l'Europe... Euh vis-à-vis -vis de la Chine, est très divisée. Mm -hmm. Il y a certains Européens qui, qui aimeraient s'allier avec les États-Unis contre la Chine. À mon avis, c'est une petite minorité, mais ils existent. Euh, il y en a d'autres qui se disent, de toute façon, la Chine va devenir numéro un, ils vont mieux s'aligner avec eux et, et collaborer avec la Chine. C'est aussi une minorité, je crois. Et je crois qu'il y a un grand groupe qui se dit euh, voilà il y a des, des contradictions entre la Chine et les États-Unis peut-être que nous Européens on peut en profiter au maximum. Ah oui. Euh, et je crois que c'est ça la tendance euh, qui domine. Un Donc, peu pour, mais ça peut aller dans tous les sens. Trois groupe et une majorité oui. qui veut jouer sur les contradictions, mais oui. on voit bien que la situation économique. Aussi la situation politique avec toutes ces crises, tous les partis européens et aux mmh. États-Unis aussi, les oui. partis sont en crise. On voit bien que c'est une situation en plein bouleversement. Ça fait quand même un peu peur. Par rapport, euh, certains disent c'est le même genre de situation qui a donné lieu à des guerres mondiales. Est-ce que c'est dangereux ah, je crois que euh, la politique des États-Unis euh, peut mener à, à la guerre. Bon, euh, par exemple. Euh, les Américains ont abandonné le, le traité sur les mmh. armes nucléaires euh, arrangées intermédiaires, donc le, le traité qu'ils avaient avec la Russie. Mais le but euh, de cette manœuvre, c'est d'installer ces armes dans les pays limitrophes de la Chine. Mmh. Il y a un encerclement militaire, euh, hein. militaire. Enfin, jusqu'à présent, ils n'ont trouvé aucun euh, pays qui veut les accueillir, mais c'est quand même le but avoué. Donc il y a certains risques. Par contre, les Chinois, ils vont tout faire pour éviter la guerre. Ils vont par tous les moyens possibles et impossibles chercher le compromis, euh, parce que la Chine, elle veut la paix, elle a besoin de la paix pour se, se développer. Et comme c'est un pays socialiste, euh, euh, elle est fondamentalement en faveur de la paix. Mm -hmm. Donc, euh, on n'est pas dans une situation telle qu'on l'avait avant la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait des, plusieurs impérialistes qui se confrontent. Maintenant, mm. on a un facteur de paix qui fera tout pour éviter le conflit. OK. Euh, parmi les questions que je n'ai pas encore prises, il y a quelqu'un qui demandait si les Ouïghours euh, un commentaire sur ça. Donc, les Ouïghours, c'est cette minorité. Il y a beaucoup de minorités en Chine. Il faut rappeler qu'il y a les Han et puis il y a beaucoup, beaucoup de minorités qui sont dans le, dans le Xinjiang. Et là, il y a des incidents, on parle de terrorisme. Et ce qu'on dit dans les médias occidentaux, c'est que la Chine réprime les Ouïghours. Certains parlent même de génocide et des choses comme ouais. ça. Ben, les Ouïghours, il y en a 10 millions, c'est mm -hmm. des musulmans et ils parlent le, le turc. Mm -hmm. Donc en fait, des turcs euh, égarés en Chine. Et euh, donc, il y a des contradictions historiques de longue date. Il y a des tensions entre les Han et, et les Ouïghours depuis toujours. Euh, récemment, euh, la région s'est développée très vite au niveau économique. Elle s'est développée très vite. Et... J'interromps. On dit que les Chinois ne s'occupent pas des minorités qu'ils les laissent crever. C'est vrai? Euh, les Chinois euh, la Pékin, font la discrimination positive vis-à-vis -vis des minorités. Mm -hmm. Maintenant, dans le Xinjiang, euh, le problème. -à -dire la discrimination positive, c'est-à-dire que si une région est pauvre et s'il y a des minorités qui sont très petites, on les aide plus que les autres, c'est ça on, on investit plus là-dedans, euh, ils ont la préférence euh, au niveau de l'accès aux études supérieures. Euh, ils n'ont jamais été sujets à la politique d'un enfant par euh, famille, etc. Donc il y a quand même une certaine discrimination positive. Mm -hmm. Maintenant, le, le Xinjiang, le problème c'est que euh, les Han qui vivent là, c'est en général des gens bien éduqués, alors que les Ouïghours, c'est des gens d'origine paysanne. Euh, qui ont fait l'école primaire, pas plus, dont il y en a pas mal qui, qui parlent pas de chinois ou à peine le chinois. Alors on voit que le, le progrès économique, selon les Ouïghours, les âmes en profitent plus. Mmh. Et donc le gouvernement essaie d'en faire profiter les Ouïghours, ce qui n'est pas évident, mais entre autres les centres de formation dont on parle maintenant. C'est pour que les Ouïghours soient capables de s'exprimer en chinois et pour qu'ils aient une formation professionnelle à, afin qu'ils aient accès à des métiers plus, où ils gagnent est plus. Est-ce que les États-Unis essayent de jeter de l'huile sur le feu? Absolument, absolument. Euh, disons, toute cette campagne autour des soi-disant camps de concentration, bah, euh, c'est faux. Le chiffre d'un million de gens enfermés. C'est un chiffre qu'un dissident sécessionniste a inventé un beau jour, il a lancé, il a dit, ah, il est bien possible qu'il en soit un million. Et ça, puis les médias ça... occidentaux ont repris ça, ils ont dit, il n'y en a plus qu'un million, même deux millions. Et, et puis c'est devenu la vérité, alors qu'il oui. n'y a aucun chiffre... La fabrication euh, et la guerre des ben, chiffres, la fabrication, on a déjà vu ça dans beaucoup de camps. Et, et donc ce pas des camps de concentration, c'est des centres de formation. Maintenant on peut se poser des questions, des questions parce que les gens sont obligés d'y aller. Ça, au niveau des droits de l'homme, euh, ce n'est peut-être pas correct. Mais c'est bel et bien des centres de formation et selon les informations dont on dispose... Euh, pour l'instant il y a peu de gens dans ces centres parce que la majorité des de Ouïghours ont déjà terminé mm -hmm. et ils sont de nouveau sortis d'accord, moi euh... je fais une petite remarque en passant on approche de la conclusion c'est que euh, j'ai lu récemment euh, différents euh, documents sur les questions et sur le travail de la CIA pour mon prochain bouquin que je suis en train de terminer et je voyais dans un document très sérieux qu'en fait une dizaine d'organisations des droits de l'homme ouïgou avaient été, tous été créées ou financées par les États-Unis. Donc on doit aussi se poser la question. Euh, apparemment, tu dis qu'il euh, peut y avoir des choses pour lesquelles les gens ne sont pas satisfaits, mais on doit quand même toujours se poser la question qui nous informe et est-ce qu'il y a des dollars derrière Il y a des dollars derrière disons il y a un mouvement sécessionniste qui est euh, qui est en Allemagne mais qui est financé par les Américains mmh. alors euh, il, y a, il y a plus hein. donc le Xinjiang c'est tout près de l'Afghanistan du Pakistan alors l'influence de al qaïda de l'IS l'influence est réelle il y a eu des attentats, des attentats avec des dizaines de morts la Chine était préoccupée les Russes aussi que mmh. Euh, ces mouvements Daesh et compagnie pouvaient aller émigrer ou être utilisés par les États-Unis pour aller les emmerder dans des régions périphériques. Ben oui, ben oui, euh, c'est une réalité. L'islam radical, le, le terrorisme, l'extrémisme, c'est une réalité. C'est pas une invention chinoise. Il faut savoir que euh, après la guerre en Afghanistan, les, les Américains ont rapatrié des dizaines de Ouïghours mmh. à, à Guantanamo. Et pour l'instant même, aujourd'hui, il y a des milliers de Ouïghours qui se trouvent à Idlib, en Syrie. Oui, oui, voilà. Et c'est les plus radicaux et les plus cruels des militants euh, Daech. Enfin, il faut en, en rappeler, mais ce sera pour une autre émission, que les États-Unis font en sorte qu'on ne puisse pas mettre fin à ces, euh, ces islamistes parce qu'ils pensent à les réutiliser. Mais bon, voilà. ça, ça nous entraînerait très loin. Leur, euh, je crois que le moment est venu de de conclure. Euh, je voudrais dire, je pense que beaucoup d'entre vous ont euh, exprimé qu'ils étaient très contents de ce que Frank euh, nous avait expliqué maintenant. Vous pouvez évidemment vous l'inviter pour des conférences. Vous voyez que c'est un parfait bilingue qui s'exprime très très bien. Je voudrais dire qu'il existe en Belgique un site qui s'appelle chinasquare.be et malheureusement il est seulement en néerlandais. Or, j'ai vu qu'il y a une série d'infos et d'articles très intéressants. Euh, il me semble que vraiment, il y a une désinformation et une méconnaissance très forte sur la Chine. Ce serait bien si on pouvait avoir, et on proposait à Franck, des traducteurs, soit du néerlandais au français, bon, ça c'est que pour les Belges, mais ils ont aussi des articles en anglais qu'ils veulent traduire vers le français. Et ça, ça pourrait être, à mon avis, une bonne chose dans la bataille de l'information. Euh, Franck organise aussi des voyages à thème en Chine pour ceux qui sont intéressés. Euh, Est-ce qu'on peut écrire en français via chinasquare.be On peut écrire en français. Voilà, via chinasquare.be, on peut écrire en français et Franck vous répondra. Nous allons euh, conclure en remerciant euh, Franck. Je vais faire une ou deux annonces pour euh, la suite de Michel Midi. La prochaine émission que je vous affiche là, c'est donc mardi prochain, et j'ai déjà fait ça deux, trois fois, ce sont des pas vus à la télé. C'est-à-dire qu'on fera un petit peu le tour du monde et je vous apporterai une série d'infos qui ont été cachées par nos médias sur toute une série de pays, sur toute une série de thèmes et qu'il est intéressant à savoir. L'émission de la semaine d'après sera avec Stéphanie Gibaud stéphanie gibaud, c'est donc le 19 novembre, c'est une lanceuse d'alerte. elle a euh, travaillé à, dans une très grande banque suisse, la plus grande banque suisse. elle a dénoncé en 2008 les pratiques de blanchiment de faux fiscale en banque et les violations de la loi par sa banque. du coup, euh, elle a subi une série de procès, elle a perdu son emploi et elle a subi une véritable harcèlement, persécution en tant que lanceuse d'alerte. Elle a publié un livre que je vous montre ici à l'écran, euh, La traque des lanceurs d'alerte. Et là-dedans, elle parle de Snowden, bien entendu, de Manning, d'Assange, d'autres euh, cas concrets. Je voudrais rappeler, c'est un peu plus ancien, mais il faut en reparler, Denis Robert, qui est actuellement directeur de, du Média en France, il a ramassé pour avoir dénoncé des pratiques de fraude fiscale organisées par l'ensemble des banques. Il a ramassé pas moins de 60 procès. Et donc, la grande question qu'on verra avec Stéphanie dans deux semaines, c'est euh, que pouvons-nous faire pour aider à protéger les lanceurs d'alerte, sachant que nous en avons énormément besoin pour protéger notre droit à l'info et bien entendu, Action est concerné là-dedans aussi. Je vous remercie tous pour vos questions et votre intérêt qui s'est qui confirmé. Je remercie Franck pour euh, d'être venu chez nous et euh, vous pourrez trouver bien entendu sur Youtube, faire partager et circuler cet passionnant entretien avec Franck et là-dessus je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau Michel Midi, une nouvelle bataille de l'info. Bonne journée.